C'est Daimon, on n'est qu'en 30 images par seconde aujourd'hui, mais justement ça me fournira un excellent test pour voir si ça tourne convenablement, s'il n'y a pas trop de problèmes, étant donné que Red Dead Redemption 2 est un jeu extrêmement gourmand, que j'ai une bonne config, mais qu'il est à fond, et du coup on va déjà tester en 30 images par seconde, et la prochaine fois, on fera une plus longue session en 60 si ça passe. Ah, c'est Javier, je crois. On a fait quelques... Il parle pas beaucoup, Javier, mais il fait souvent des coups, il est plutôt efficace, contrairement à d'autres qui... sont sympas mais qui servent un peu à rien quoi. Et nous on est justement dans le genre pas très sympa mais utile. Donc oui, ce que je voulais voir c'est... Ouais, on peut... Ça c'est notre lit normalement. On peut changer de vêtements mais si je veux dormir, voilà. Jusqu'au matin. Ah c'est la nuit hein. Ouais, on va éviter. Allez Arthur, on se repose un peu. On va retrouver Méon Satil. Parce que c'est Satil qui a nommé mon cheval, je lui ai laissé la possibilité de le faire. Et elle a choisi Méon. Bon, il y a du café parce que moi je me sentais pas trop de me bourrer la gueule. Surtout que j'ai rien bouffé là depuis un petit moment. Merci Wizbot pour ta participation. You gonna deign to join us here? Vous enflammez pas les gars. Hein. Ouais, non mais je vais me prendre un café déjà. Y a plus de ragoût. Vous avez bouffé tout le ragoût, bande de connards. Normalement le matin il y a encore du ragoût. C'est peut-être parce qu'on se barre que le cuisinier. Ah mais je veux bien m'asseoir, mais je veux du café les gars. Je la vois la cafetière, elle est là. Se reposer près du feu. Ah non, fabriquer. Bah peut-être qu'il faut que je fasse mon propre café. Hein. Ça va peut-être être ça, ouais. Bah écoutez, on va essayer de fabriquer du café. Et normalement, c'est pas mon boulot, les gars. Moi, je défonce déjà plein de gens. Si j'arrive au camp qu'il n'y a pas de café, ça va mal se mettre, forcément, quoi. Ouais, on m'entend bien, logiquement. Avec notre petite tasse de cow-boy. C'est vrai qu'on la nettoie, hein, parce qu'on nettoie nos armes, mais jamais on fait la vaisselle, quoi, en fait. Bon, c'est pas notre boulot non plus, vous allez me dire. Ah, du coup, on boit d'un coup. Bah, écoutez. Je vais pas boire le mien d'un coup. De la venaison, je crois que ça fait un petit moment que je l'ai. Puis ça a l'air d'être efficace. Mais vous aviez qu'à chasser, les gars, si vous en vouliez. Hein. D'autant que je leur en ai laissé. Ah, putain, ça, c'est chiant, quand le curseur, il vient, là, comme ça. Il y a moyen d'enlever le curseur. Ah, ça gâche tellement le jeu. Vous le voyez pas, heureusement. Mais... pour moi, ça me gâche complètement le jeu. Voilà, c'est bon. Dès qu'on quitte la séquence... ça se barre. Vous avez rien à raconter, en fait, vous. On peut se faire un autre café. Bon, je la joue roleplay, hein. J'ai mon café... On fume dans le jeu, donc je fume aussi dans le stream. C'est un stream RP. Que ceux que ça dérange, de toute façon, pourront partir. Ouais, ok. Alors, toutes les interactions prennent une plombe dans le jeu, mais... Même plus qu'en vrai, des fois, c'est ça qui est ouf. Ça fait partie un petit peu des défauts. C'est dur de dire que quoi que ce soit est un défaut dans le jeu. Hein. Où sont mes clopes? Du gin. Putain, j'ai trop de... Il va falloir que je les finisse un jour. Cigarette de qualité. Ouais, on s'en fait une de qualité. Ok, bon bah on est prêt maintenant pour lever le camp, là c'est le cas de le dire. Hein. Je vais peut-être aller brosser mon cheval et lui filer à bouffer avant. Je pourrais le faire, en fait c'est quand je vais monter sur mon cheval que ça va déclencher la mission, donc je pourrais le faire après, mais... Quel est ce bruit? Ça va, Mignon? On lui a fait un look assez stylé, mais c'est par contre c'est un cheval de merde. Hein. C'est un cheval de merde, mais on l'a monté niveau 5, donc le meilleur niveau d'affection, je crois.
On va lui filer à bouffer. Je crois que j'ai de l'avoine pour lui encore. Voilà. Faudra que j'en rachète à l'occasion ou que j'en vole. Après, là, on essaye de faire une partie. Alors, d'habitude, quand je suis en stream, je fais tous les choix méchants. Mais là, j'ai commencé la partie en mode choix gentil. Donc, je vais continuer exceptionnellement. C'est vrai que d'habitude, que ce soit dans BioShock, dans tous les jeux, dans Life is Strange, j'ai fait que les choix méchants. On va le caresser aussi. Ça nous sert plus à rien maintenant, mais c'est RP. Bon, on aurait pu lancer direct la mission sans faire tous ces trucs-là. Il y en a certains qui nous apportent quelque chose. Salut. Il y en a d'autres qui nous apportent rien, là, comme la caresser le cheval. Au début, quand c'est un nouveau cheval, ça sert. Après, bon Dutch. So, we moving? Yeah. Micah told me of a place we can lie low. Look here. Dewberry Creek, he said. Okay. Maybe you and Charles can go take a look, clear le son est pas assez fort. Bon, désolé pour YouTube, il n'y a toujours pas de montage, hein. Audio. Les dialogues, au moins les dialogues, quoi. Allez, comme ça, ce serait bien. Ça passe bien par la Behringer, c'est bien, il l'a compris. Il y a des trucs que le jeu ne comprend pas, mais... Ça devrait le faire, normalement. Ouais! Looks like I turned into the goddamn errand boy. You have turned into my son. You worry because I worry. We are just the same. Hey, Charles, come on. Toujours il utilise ça. Hein. Ouais, t'es mon fils, tout ça, tout ça. Le son n'est toujours pas assez fort. Alors attendez, je vais essayer encore de régler le tout. Attends, là, par contre, le curseur s'en va dans Windows et il va dans le jeu. C'est l'inverse que je veux faire, RDR2. Officiellement, on est à fond. C'est dingue. Alors, je peux essayer de checker encore ailleurs. Ouvrir les paramètres du son. Ouais, ouais, t'énerve pas, on va y aller. Je sais pas pourquoi là, le jeu est censé être à fond quoi. Je le vois sur le vue-mètre que c'est pas assez hein. Bon, vous avez les sous-titres au pire. Et moi je vois vraiment pas ce que je peux faire pour échanger quoi que ce soit. C'est peut-être parce que ça passe par cable input. Bon, ça c'est des considérations techniques qui n'intéresseront que moi. Non, pas histoire, non, attends. Paramètres. Il n'y a pas un main, un son général qu'on peut... Non, après c'est chat vocal. Nos systèmes sont limités. Bah, on a une carte son externe, ça devrait aller les gars quand même. Je ne me l'explique pas. C'est peut-être tout simplement le son qui est pas au taquet. Bah si. Et si. Bon bah écoutez, on va jouer comme ça. Hein. De toute façon, tout est sous-titré. Ah moi je l'entends loud and clear hein, dans ma tête, mais... Enfin dans mes oreilles. Ah oui, je n'ai pas remis la compression par contre. Mea culpa pour ça. Parce que j'avais mis de la musique tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, voilà, là ça fait vraiment... Ah, je crie. Ouais, c'est bon, c'est mieux. Ok. On va enfin pouvoir y aller. Qu'est-ce que tu fais après le Méon? C'est mon cheval, hein. On est d'accord là-dessus. Tu vas monter sur mon cheval? Non. Bon, tu vas bien. C'est où cette merde? Est-ce que c'est dans un endroit où on est recherché? Pourquoi le chemin se fait pas automatiquement d'ailleurs? Allô? Ouais, c'est bien celui-là.
Ouais, donc dans Valentine, on est recherché. Dans Blackwater, on est recherché. Donc c'est les mêmes qu'on fait GTA, du coup, vous imaginez bien que quand on est poursuivi par les flics, c'est un peu la même chose, quelle que soit la période. Et j'allais dire l'endroit, mais c'est toujours aux États-Unis. Et Saint-Denis, j'y ai fait un petit rodage, je me suis spoilé, et Saint-Denis, ça a l'air très très ouf, visuellement. Donc, on va voir. Allez, on est parti avec Charles. Ah oui, c'est vrai, on peut toujours pas tracer dans le camp. Poussez-vous les chevaux. Et nous on fait du repérage alors? We'd already pushed our luck too far before that mess we just made in Valentine. That didn't sound good. Killed a lot of law. Non. Ouais, j'aime bien quand même l'avoir à portée de main. Killed a lot of Cornwall's men. They must know where we are by now. So, we're heading south? Yeah. Area called Dewberry Creek. Dutch wants to... Oh, priorité à droite, mec. Make sure it's clear and a good place to lie low for a while. I've only known him a few months, but the way he talks, I never thought I'd see him wanting to head south. Right. And I... Oh, le sud, c'est pas l'est. There ain't no lying low. There's too many of us for that. Ça nous changera de la montagne où tout le monde mourrait de froid. J'ai plus de munitions? Wow. J'ai pas le temps de m'arrêter de chasser, toi. Dutch don't see it as run. Call it what you want. I don't know. Before, put enough time and distance between you and the problem, eventually it went away. I mean, this is a big country, but now with these Pinkertons, hang on a second. Les Pinkertons, c'est les mecs qu'on avait braqués et qui sont vengés là. The old dried up creek seems very open. Yeah, it does. Ain't sure to be the best in the rain neither. Well, let's take a look around. On préférait qu'il n'y ait pas d'habitants, j'imagine. Et je l'examine la zone, connard. Oula, attention, 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 Méon. On sait que t'es pas très très... C'est pas ta spécialité. Oh, il y a un cadavre ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été shot. Let's be careful, Arthur. Ça fait un moment qu'il est là. Camp just up ahead. Sure. Let's get ready for business. Any issues? Shoot first. Et malheureusement, j'ai plus de munitions là-dedans. Shoot for the sake of it. Survival's for the sake of it. Quit talking. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur le cheval? Ah. Sinon, j'ai ma carabine de base. Ah, fusil rolling buck. Ah oui, ça c'est pas mal. Ouais. Oui, dans quel état? Ouais, ça va. You see there? Tents and a wagon. Looks deserted. Okay, well, let's have a look around and make sure. C'est chiant de pas pouvoir faire échappe toujours pour partir. C'est toujours des touches contextuelles différentes, ça c'est un des défauts aussi. Bon, mais on tue est sage, hein. Je reviens. Ce jeu est beaucoup trop beau. J'ai à peu près tout qui est à fond. Ça a l'air de pas trop mal tourner. Where is everybody? Faudra essayer en 60 images par seconde. Maybe la prochaine fois. Be careful. I'm being careful. Ah, j'ai pas la bonne arme là en fait, ça va être du corps à corps. Ah
mais l'autre, il n'y avait pas de munitions de toute façon. Ah. Someone's been here. Sure. Someone's still here. There ain't no one here now. I ain't so sure about that. Allez, je veux prendre cette putain de conserve. Ça, c'est tellement chiant par contre. On est un semi-remorque et les hitbox des trucs font un pixel quoi. Ouais, haricots à la tomate. Ça souffle ça, non? Tu l'as déjà ouvert, Charles? Je vérifie derrière lui parce que... Je me mettrais bien en altitude pour checker... checker la zone avec ça. Je sais plus comment on change les niveaux de zoom. Ah, je ne sais plus. Est-ce qu'on peut checker les... Est-ce qu'on peut changer les niveaux de zoom? Là, je crois qu'on peut équiper plusieurs lunettes, en fait. Ah non, il me semble qu'il y a une lunette télescopique. Ah, je sais plus. Bon, en tout cas, je vois rien. Toi, tu t'aurais pas fouillé les caisses. Des fois, ils le font quand on branle rien, ils font le taf à notre place. Pas tout le temps. Oh. J'imagine qu'on peut les buter. It's okay. It's okay. Come out of there. You okay? You don't mean no harm. Ouais, genre on est des malfaiteurs, mais on bute pas la veuve et l'orphelin, quoi, normalement. Pas notre bande à nous, en tout cas. Pas la bande de Dutch. He said, are you okay? Sprechen Sie Deutsch? Ah non, pas l'allemand. German? Sprechen Sie Deutsch? No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of here. They took our father. Who did? Men, last night. Where? Where did they take him? C'est pas nous, on s'en fout en fait. Ah si, les gamins ils parlent anglais. Ah, on n'a fait aucun choix là. Ok, du coup. Fusil double canon. Ça me semble très bien, ça. There, tracks. Come on. I don't see nothing. Hoof marks. This way. I don't see nothing. What's going on with you? Hey. What do you mean? You were just gonna send that woman and her children on their way? We're wanted, man. We got Pinkertons. Ah ouais, c'est une société, la Pinkerton, peut-être. Ouais. We should be moving camp, not running off on some wild goose chase. Come on, Arthur. That's not how you are. Well, maybe you don't know me as well as you think you do. Think this is the right way? Give me a second. Okay, looks like they go down this way. So... What happened with those Pinkertons anyway? Bon, on leur a braqué un train, les mecs se braquent. Said they were on to us. Offered me freedom if I turned Dutch. Ah oui, non, ça c'était des enquêteurs, ouais. They picked the wrong man there. Easy. Ah, un bon spot de pêche. Wait, ici, hein. Let me make sure this is right. Pff, c'est trop beau. C'est beaucoup trop beau. Est-ce que j'ai envoyé sur Discord la notif aux gens? Ah putain, je l'ai pas fait. Continues along the shore here. So like you were saying before. Oula. We should have moved right then if you asked me. Le monde a glitché un moment là. Bastards told me they killed Mac. Said it right in front of Jack. Ah. That kid. It's gonna be tough for him. Yeah. But he has more folk looking out for him than most of the rest of us had growing up. John said he was going back to the auction yard to collect the money for those sheep.
Ouais, on a mis un petit coup de Trafalgar pour récupérer les moutons. Je vais pas m'arrêter pour chasser là maintenant, on est en pleine mission quoi. Sur le retour de la mission éventuellement. Ah là il va se barrer en plus. Oh well, if it's John's idea, it must be a good one. Ah. What is it with you and him? Mais ton putain d'arc. He disappeared on us for a while. When Jack was real young, a long while. Year or more. Wait a second, just wanna look closer here. Calme-toi, Méon. Okay, boy. They carry on along this trail. So, you were saying? You did? And we was family, you know? Guess I still ain't fully forgiven him for that. There's a camp up ahead. Be careful. Ah, pas ce que je voulais faire. Seems deserted. Let's take a look. Là du coup, où est-ce qu'il est passé? Rolling Glock, oui. Attends, calme-toi. Yep. So where is this guy? I don't know. But you know something? This is a better camp spot than back there. Much easier to defend. Maybe. Examinons. Mais il y a encore un feu allumé. Corps des teutons. Ah tiens, c'est lui le père. This looks like our feather, Charles. Par ici, mais... Cut him free and let's get out of here. Allez, connard. Mais pourquoi t'as dit par ici alors avant? Évidemment que c'est un piège. Bon, je suis toujours pas un joueur de TPS, hein. Moi, les headshots, c'est rare. À part en faisant ça, éventuellement. Ah, mais c'est... J'arrive pas à prendre la bonne couverture. On peut faire un marquage comme ça. Et alors, fumer, ça nous permet de regagner du sang-froid. Bon, je te tire dans le cul, mec, hein, mais... Non, non, c'est moi qui récupère les trucs, hein. On va faire exactement l'inverse, mec. Ah oui, au fait, on vient de tuer plein de gens. T'aurais peut-être dû faire ça avant. Oh ouais, mais je suis pauvre aussi, mec, donc... Allez, détache-le. Non, Maréchenichlos, non. Plus tard, Maréchenichlos. Et des fois, ils en ont marre et ils finissent par le libérer eux-mêmes, hein. Ouais, bah tu iras gain où je veux. Quand j'aurai décidé. Genre, on te libère, hein. On est plutôt sympa. Ça, c'est chiant qu'ils te pressent tout le temps alors que t'as envie de récupérer les trucs. Parce que après, si je vais lui parler, il faudra rebouger, ça va redéclencher. Le jeu est très scripté, globalement. Il reste du café là-dedans?
Il reste à boire là-dedans. Coucou, Raptica. Bienvenue à toi. Eh, hey, l'OS de sauvage, c'est pas vachement mieux sur PC quand même. Et là, on est qu'en 30 images par seconde parce qu'on m'a dit que le jeu, quand on le stream, il fait planter toutes les configs, donc pour un jeu test petit à petit. Okay. Dis-moi si de ton côté, le son, l'image, si tout va bien. Putain, je voulais me refaire un café, ils sont chiants. Ouais, fil de dingue. Comment va la Delta? Bah, bien, globalement. Ça se réoriente, à ce que j'ai compris. Pourquoi tu cours, Charles? Ramener le pionnier. Tu montes avec moi sur Méon, du coup, hein. Allez, viens. Bon, Méon... Ouais, t'as pas... On va pas te filer à bouffer maintenant, t'as filé à bouffer tout à l'heure. Eh, Charles, il nous attend même pas, hein. Hop, enlevons le bandana. Ne nous faisons pas remarquer inutilement non plus. Est-ce qu'il y a un chemin qui est meilleur qu'un autre? Vous êtes quoi, vous, comme animaux, là, les gars? Vous êtes des dindons? Attends, mais on fait un petit détour. Toi aussi, l'allemand. Attends. Juste, je connais pas cette bête, donc... À mon avis, les dindons, faut les pécho. Dinde sauvage. Eh ben, Thanksgiving avant l'heure, les gars. Ben ouais. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, les dindes sauvages vivent dans les forêts, région broussailleuse de West Elizabeth, New Hanover, machin truc. Opportunistes, insectes, noix, graines, ça se nourrit un peu de tout. L'arme idéale pour abattre un oiseau de cette taille reste le fusil à petit gibier. Mieux que mon arc? Bon, attends. Ça les abîme moins, quoi. Permet de se nourrir, évidemment. Un glouglou. Bah écoute, on va bouffer le glouglou. Ouais. Tout le monde est très content. Prendre dinde sauvage. Bah oui. On l'avait pas déjà dépecé? Attends. Est-ce qu'on va pouvoir prendre l'autre connard en même temps qu'une dinde? Ça, c'est une question. Mais tu sais que t'étais pas obligé de descendre, l'allemand. Hein. Alors. L'endroit où l'on va, assez loin? Ça part assez loin. Mais non. Famille allemande, d'accord. Ils nous ont même pas donné leur blaze, les gars. C'est quoi ce chemin tortueux qui nous fait prendre, là? Je crois qu'on va plus tracer tout droit, en fait. Hein. On va reprendre le fusil. Ah, attention, calme-toi, Méon, parce que je te connais. T'aimes pas tellement les descentes. Où bringent-ils mich hin? What the hell did you do to those fellas? Wie bitte? Those men back there, why did they take you? Geld? Money? Meiner Familie gehört eine Goldmine. Sie wollen Lösegeld erpressen. How did someone even come up with them words? Sie bringen mich zu meiner Familie? Vielen Dank. Ouais, de rien, mec. Look, hop là. I'm sorry, friend, I can barely speak English. C'est vrai qu'on est un peu présenté depuis le début du jeu comme une brute épaisse, hein. Oh, quand même, qui tient un jour un carnet. Ah! On l'a éclaté sans faire exprès, lui. Cavalier rang 1. Ah oui, parce qu'il y a un succès pour ça, en plus. There they are. Dem Herrgott sei Dank. Schatz! Ah! Andreas, Andreas, ich hab gedacht, du seist tot. Ouais, pas encore. Gewesen, meine Lieblinge, meine Herz, allerliebst. Oh, hey, mais vous êtes tous habillés en bleu dans cette famille, ou quoi? C'est un großer Mann. Ja. Fifty Shades of Blue. Wirklich. Es ist ein Segen, dass wir sie getroffen haben. Des fans de Michou encore, quoi. Get out of here, this place ain't safe. Get out of here! Ja, ja, klar. Ramos. Ich hab was für Sie. Einen Moment. Dankeschön. Thank you. Vielen Dank, herzlichen Dank. Mais c'est un putain de lingot d'or. Guess it was a pleasure.
Ah bah vu comment on les a traités, si on avait su. Et je sais pas, il les aimait pas trop sur le coup, Arthur. Il manque que le RTX à ce jeu. Hein. Enfin, ma 2070 n'est pas de trop pour le faire tourner, ceci dit. Même en l'absence de RTX. Miss Grimshaw, Mr. Pearson. Ah d'accord, le trajet se fait. Je croyais qu'on allait faire le trajet. Ah, il fume. Bon, on fume aussi. C'est mignon. C'est vrai que c'est mignon. Ah, chapitre 3. On a fini le chapitre 2, putain. Ah oui, c'était la dernière mission du chapitre 2. Bah voilà, on a fini le chapitre 2 ensemble. Voilà, c'est, il paraît que c'est maintenant que le jeu commence vraiment. Enfin, c'est d'après Pouillot, les membres de GK, et puis d'autres personnes encore. Hein, j'ai lu le même avis sur jeuxvideo.com, je crois. À vérifier. En tout cas, Pouillot et Gotos avaient l'air d'accord sur ce point. Vert de plus vert par... de plus vert pâturage. Attends, je vais réussir à le dire. Alors, qu'est-ce que ça donne notre nouveau camp? Est-ce qu'on pêcherait pas un petit coup? Ah, j'ai fait de l'argent. Enfin, médaille d'argent. Je le fais jamais, ça. Une précision de moins de 80%. Ah bon? J'ai une précision de 80%, moi, depuis quand? Ah, sa famille en 1 minute 40. Ah bah, je me suis arrêté pour chasser, les gars, aussi. Faut savoir, vous les bouffez ou vous êtes pressés? Non, au bout d'un moment... Bon, c'est pas grave, on a fait de l'argent. Est-ce que j'ai ma canne à pêche sur moi? Oui. On va aller sur le fronton, hein. Ah bah, c'est à lui qu'on a appris à pêcher. Il me semblait qu'on avait des asticots. Je reviens, les gens. Mais je sais que vous crevez la dalle et que sans moi... Ça a l'air de grouiller de poiscailles, putain. Eh bah, c'est très bien. Allez. Ce jeu est tellement beau. Je vais le redire tout le temps, je sais. Alors, je me souviens plus trop comment... Non? Il me semble, hein? J'ai peut-être rêvé, là. En bougeant la ligne. D'accord. Faut penser Final Fantasy XV. Là, j'ai bien quelque chose qui l'a chopé, là. Ferrer le poisson. Pourtant, ça marchait très bien la dernière fois. Et c'est parce qu'on devait être dans le tuto. Et on s'en sort, là, ou pas? Ah, peut-être jeter un peu trop loin. Ça se trouve, là, on est en train de faire rien du tout. Bon, allez, dépêche-toi, Arthur. J'ai l'impression qu'on ait chopé quelque chose. Hein. J'avais cru voir le truc bouger, pourtant. Ok, bon. C'est un fail. Patience. C'est le maître mot de la pêche, après tout. Petit.
Là, ça bouge, on est d'accord. Non? Ah non, il n'y a pas l'option ferrer le poisson. Elle est grisée. Ah, il y a beaucoup de mouches par contre ici. Alors les gars, vous avez l'air d'être... Vous aimez pas le pain ? Ah bah en plus on a plus l'appât. Ah bah bien. C'est un lac, on est d'accord. Ouais. Ah de l'autre côté il y a Blackwater où on est wanted, dead or alive quoi. Ok. Bon là il n'y a pas d'appât du coup. Qu'est-ce que c'est que cette merde qui flotte là-bas? C'est bien un poisson. On dirait une anguille. Allô les gars. Salut Diamond, nous dit Munch TV. Les poissons se foutent de ma gueule aujourd'hui. Allez les gars, on a faim là. Vous êtes censés avoir faim vous aussi là. Ah, c'est bien cette émoticône, elle vient d'où ? L'émoticône à la Fallout. Bon, personne ne veut. Peut-être qu'il faut vraiment que je fasse de la berge et pas du ponton. Ah ! Bon. Ok. Ceci est un fail, officiellement. On se casse d'ici. Ça vient de chez toi. Ah ouais, c'est l'émoticône de ta chaîne. Ah bah elle est cool. Ça, c'est... En plus c'est toute une galère pour trouver des... Parce que c'est un graphisme très compliqué avec très peu de pixels donc... Est-ce qu'on peut... Oui, ranger la canne, voilà. Bon, qu'est-ce qu'il veut Dutch? Attends. Oui, un vrai casse-tête, ouais c'est ce que j'ai cru comprendre. Pour l'instant, moi je suis pas trop sur Twitch, hein, donc je suis plus sur YouTube, du coup j'ai pas eu trop cette galère. Pour la Delta, tout est déjà tout fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a laissé du café? Il y a intérêt, hein. Do you think... Do you worry... Est-ce que t'as fait RDR2, Munch TV? Do you worry that maybe we've lost our way? How do you mean? Ignore that. I won't pretend ignorance. I know just what you mean. But I don't know. Things seem bad. World is changing, and. Moi, je pense que c'est Osea qui a raison. Hein. I'm not making much sense, am I? No. But somehow, on s'est bourré la gueule avec lui, Lenny, je crois. Summarized how I feel. It seems awful. Then it seems the same as always. Ça, je trouve ça ouf dans le jeu. It seems like there's just no other way, and I. J'ai pas, je suis pas obligé de me rester là et de regarder le dialogue, mais. Worse situations than this. Done plenty of bad things that we've all forgotten about. Don't take Dutch's patter about redemption too seriously. We're doomed. Ouais. Just like every other creature on this rock. Ah, ça je crois que je l'ai déjà entendu, unlike tu vois. Them, we'll go down fighting. Mais pas le début. Je sais pas comment ils gèrent les conversations. Oui, donc du café. Morning. Ouais, ouais, j'arrive. J'irai bien s'il y a du café.
Le ragoût est en train de cuire. De toute façon, à chaque fois que j'arrive, il n'y a jamais rien à bouffer. Ça vaut bien le coup que je chasse pour... Ah, merde, d'ailleurs, j'ai des trucs sur Méon. Bon, bah, je bois mon café et je le rapporte. D'ailleurs, est-ce que Méon peut venir? Ce serait plus simple. Ah, il peut pas venir quand on est dans le camp. Effectivement. Mr. Morgan, folks is wondering what's happened to you. Mais je bois un café? Nothing is right. That's the point. That's the point. Work, Mr. Morgan. Folk need feeding. Et tu l'as de côté, donc tu l'as acheté et... Ah, moi j'ai laissé tomber tous les autres jeux limite, hein. À part Deep Space. Mais pourquoi elle est vénère là? Ce feu de camp est trop petit pour nous deux, hein. Tu viens de me traverser là. On est d'accord que tu viens de me traverser. Non mais tu vas me parler. Déjà, commence par me respecter. Commence par me parler poliment. Du coup, Méon, on disait, il est là-bas. J'arrive, Méon. Putain, je lui ai pas filé à bouffer depuis hier, du coup. Et du coup, tu vas y jouer sur quoi? Sur PS4? Sur PC? Sur PS4 Pro, il tourne mieux que sur PS4, visiblement, ça vaut le coup. Hein. Bon, après, moi, j'ai un bon PC, du coup. Ouais. La dinde sauvage, putain, j'espère qu'elle s'est pas décomposée, la saloperie. Ok. Bah, je te refilerai à bouffer plus tard, mais non, du coup, j'aurais dû faire ça avant de prendre la dinde. Non mais comment on la tient par le cou comme ça? Ok, d'accord. Ah oui, non, c'est là-bas la bouffe. Il va nous préparer un truc de compète avec ça, j'espère. Vite, 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 parce qu'il y a plein de mouches dans le coin. Attends, bientôt. Ouais, t'inquiète. On ira bientôt. Il y aura plein de gens qui diront que on n'y a jamais été. Alors ça c'est quoi? Peau de biche, mauvais état. Vu la merde que c'est, on va leur donner. Cadavre de dinde. Ah, j'aurais donné le cadavre de dinde, ok. La volaille, je me la garde peut-être. Hein. Ah, quoi que, j'ai encore plein de trucs. Allez, faites-vous plaisir. Pas de quoi. Ouais, surtout que moi je t'apporte à bouffer, mais moi je mange jamais rien, quoi. Allez, on va filer un petit coup de main vite fait. Je préfère m'occuper des chevaux que des gens, du coup, hein, parce que les gens... Les chevaux, on leur file à bouffer. Les humains, on verra après. Bah oui, vous êtes pas très content de me voir, on dirait. Pourquoi les gens ils sont vénères contre moi avec tout ce que je fais pour eux? Eh, c'est vachement plus loin qu'avant, hein, pour apporter le foin. Dans l'ancien camp, c'était plus opti. Et du coup, toutes les améliorations qu'on avait fait dans l'ancien camp, oh non, elles y sont plus. Si, si, il y a le poulailler. Ah cool, on a pu tout prendre. Bon, je vais pas le faire super souvent, ça, du coup, hein. C'est un peu long. Pourquoi faut que je le place ici alors que les chevaux sont manifestement beaucoup plus près? Je cours, si je pouvais courir tout le temps. Ah, examinez la Bible. Examinons la Bible. Est-ce que c'est une Bible bien réglementaire? J'étais sûr. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Ouais. Amen, mec. Ça aurait très bien pu être simplement une Bible, tout court. Mais connaissant cet alcoolique. Oui. Can I ask you a favor, if it's convenient, I mean.
après m'avoir cassé les couilles tout à l'heure. If you're out on your adventures and you see any herbs for seasoning, would you mind grabbing them for me? Season? Yes. Don't tell Mr. Pearson. Okay. I'll see what I can do. Allez. Elle prépare à bouffer et tout. Morning, Arthur. Des aromates, oui. Oui, c'est tout quoi. Du thym. Ah ouais, attends, il disait. Bon, du thym, des trucs, ok. Take it easy with that stuff. Elle se bourre déjà la gueule, là. This is taking it easy. Bon. Écoute, je suis pas ton daron. Hein. Le sud nouveau. How you doing, old friend? Fine. It's funny. Us ending up down here. My daddy died in a field in Pennsylvania, fighting this lot. I ever tell you that? Sûrement des dizaines de fois. Times. I see I'm boring you, Arthur. Worrying me. We lost men back there. We have lofty goals, Arthur. We're trying to reform society to a kinder, truer, better way. Now, of course, there's gonna be casualties. We're thieves in a world that don't want us no more. We are dreamers in an ever duller world of facts. Now, I'll give you that. Ouais, enfin, on cherche de l'oseille souvent, hein. We got the day. It's nice out. Old Hosea says that there's a trick around here. I reckon it's full of fish. Ah oui, parce que là, ici, c'est de la merde, hein, j'ai testé. Ah, j'ai pas d'égalisation, là, du coup, sur ce... Je crois que je vais me mettre une égalisation, quand même. Juste un compresseur. Du coup, je dois avoir un son un peu trop aigu. Hey, you don't look too rosy, old friend. I thought this warmer weather would... My days are looking good along over Dutch. Always green crust. Ok, attendez, une petite clope. Come on, Hosea, let's go fishing. All right, gentlemen, let me show you how it's done. Méon. T'as assez bouffé, là? Allez, filer quand même dans le doute. Voilà. On peut pas te brosser pendant que tu manges? Voilà. T'es un beau cheval de merde. Je t'ai amélioré au maximum en tout cas. Ah, quoique non, je peux lui rajouter sûrement des meilleurs, une meilleure selle, tout ça. Mais attendez. Lancaster, faut vraiment que je récupère des munitions. Ah, mais c'est parce que je suis sur les munitions haute vélocité là. Voilà. Just fish here. There's a whole lake of them. Because I need to get out for a bit. Me and the old guard. Before any of them back there. Oh, there was us. The curious couple and their unruly son. It feels good here. You did well finding that spot, Arthur. Ah, enfin des gens reconnaissants. Charles, me. It's like I can breathe again, thick and soupy as this air is. Might even do your whistling pipes some good, Hosea. I was once in this country with Bessie. Ah, feels like a lifetime ago. It was a lifetime ago. But what a life we have lived, how well we have fought. Especially both of you. Ah, on a peut-être perdu Munch TV du coup qui veut pas se faire spoil. When things are desperate, we have to stick with the plan. Make enough money, then find somewhere where nobody will find us. Where we don't have to hide. Like where? Ouais. I got some ideas. Les gars, tant qu'on continuera de faire ce qu'on fait, on sera recherché tout le temps. Not against me. Both of you. Of course. Still, we do need money. Ah ouais, je croyais qu'on n'était pas matérialiste. Profile, especially in the local town.
Et moi je veux bien, hein, mais à chaque fois on se trimballe des tarés, donc. But start turning over the soil and the rocks. See what turns up. Dutch, we've got to be discreet. Imagine what a slew of rich simpletons there must be down here. Mais je croyais qu'on verrait assez discret. Perfect for you, Hosea. You'll be able to play them like a fiddle. C'est bête. Ah d'accord. Nothing would give me greater pleasure, but looks like law up ahead. Play it cool. J'ai rangé mon arme, vous remarquerez. Hein. Hello, gentlemen. Well, look what the cat drug in. I seem to have gotten myself in a spot of bother. Quiet back there. Let's see if we can. C'est le camion de CRS. Ah, je vais choisir de ne pas parler. How are you, boys? Fine. This is quite some country you have here. Utahs. Hoagie McIntosh, at your service. Ah, le flic s'appelle McIntosh. This is my deputy Archibald McGregor. It's good to meet you. Bon, essayons de pas nous mal nous mettre avec les flics d'ici. The best part. Of course. Now, tell me, sir, what did the silly fancy fop back there do? Nothing too terrible, I trust. He was accused of running a gold mine and investment scam. Le son n'est pas trop faible d'ailleurs du jeu. He is a magician. I know. J'ai mis à fond, mais. He's a fool, but he is not a bad fellow. Now, can we just? I wouldn't do that if I were you. Shit! The Anderson boys. I can't have more scandal. Well, allow us to help, my friend. Ah, bah voilà, on va tellement bien se mettre avec les flics. And take Archibald with you. Just what I signed up for. Come on, allez, big guy. Affaire équipe, toi et moi. Stay with that train. Don't let them get away. And do not. Non, le son est bon. Ah, pourtant, OBS me dit que le son du jeu est pas assez fort. Hein. Come on, we're losing them. Will you relax? We're not losing them. Pull me up. Je leur tire dessus ou pas? Non. What's your name, sir? Arthur Callahan. Allez, Méon. Mr. Callahan, please. C'est Satil qui a appelé le cheveu à la. I get it. I'm doing my best. Looks like a son of a bitch is gonna make me. You sure I can't just shoot him? No. Did I not say that? You said plenty. Ouais, on aime pas trop les gens qui parlent beaucoup. Ah, c'était pas une grange, c'était une gare. Allez. Stick to the side of the train. Get alongside that flat carriage. You think you can jump on there? Me? Why me? Because you ride like my grandmother. You are something else. You cop bastard. I didn't do nothing. Ah, je me souviens plus comment on se tape au corps à corps. Ah, ça va être problématique si on peut pas utiliser ses armes. Ok. Attends, j'ai un lasso. Non. Allez. Allez, Arthur. Et il y a un moment, de toute façon, il y aura une fin au train. Hein. Ah. Ah mais merde, faut qu'on... Mais range ton putain de lasso, connard! Attends, comment on se protège? Mais putain, il veut pas ranger son lasso! Font un truc. La légendaire rage de Dai. Ouais, on se refait pas. Prendre pêche. Ah, des pêches.
Oui, bon, c'est vrai, on doit arrêter les gens. Et j'ai pas récolté l'autre. Lawman. We need to bother. Let me go. I can't do that. Come on. Come on. Man. You sure? Need some gin? Come on. Putain! Allez! Non! Mais putain, on est nuls! Allez! Mais crève, saloperie! La caméra n'aide pas, hein. Voilà! Un petit coup du lapin. En loose dé. Tout va bien, mais pas tout le monde. On peut pas le récolter, lui. Soulever le membre. Ah, d'accord. Là, il est content. Bring him out here. Deputy. Sounded like quite a commotion. Is that him? I sincerely hope so. Old Anders Anders. On a tabassé des gens au hasard. Take him in, come on. Mais on va pas. Ah mais ça y est, on a un autre cheval maintenant. D'où vient ce cheval? Load Anders onto the back of your horse there and we'll take him to Sheriff Gray. Parce que si on avait dû là, on était à deux sur le cheval avant. There you go. You are a natural. All right, let's take him in. Follow me. What about the others? Ah bah si on a la loi de notre côté, les gars, on est inarrêtable, hein. You're the boss. That was mighty impressive, sir. I have to admit. I'd hazard a guess you've served the law yourself at some point. En quelque sorte. I wouldn't exactly say that. Are you familiar with the area here? No, not really. On your right here, these tobacco fields? This is part of Calaga Hall, big estate belonging to the Gray family. Looks bone dry. Yes, we are in dire need of some rain round here, let me tell you. Ils sont putain d'accent ici. The Grays lived in Calaga Hall for generations. Fine people. My family's been working for them for years. Sheriff Gray's the one I know best, of course, but they own half the businesses in town. Which town? Rhodes, sir. You don't know it? Where we're headed right now. Ah, c'est là-bas qu'il faut bien se comporter. Sinon, on va se faire engueuler. En plus de se faire tirer dessus. Another big family in these parts. They have an estate west of here. Awful people, truly awful. They've been fighting with the Grays for as long as I can remember. Sounds like quite the place you got here. Ah, je vais essayer, hein, moi, de pas utiliser d'armes. Mais si des gens me tirent dessus, je fais quoi? To Rhodes. Ça rôde. Up there on your left is the Rhodes Parlor House. Very reputable saloon owned by the Gray family. We also have a general store, gunsmith, post office, train station. Ah, c'est pas Saint-Denis, quoi. What more do you need? Very little. Oh good, they're back. And that's your friend, right? Est-ce que Rhode Island, voir quelque chose avec Rhode Island? We're gonna stop just ahead on the right, outside the sheriff's office. Can you grab Anders off your horse and carry him in for me? Oula, c'est un peu glitché là. Come on, partner, before he wakes up. Carry him over then. Hey, fellas. Mr. Gray. Salut les gars. We got him. Very good. I told you Arthur would deliver. Man has a passion. Cet homme était pris de justice. About my friend here. Your idiot friend is free to go. No more trouble from you, partner. I promise you, this was all just a big misunderstanding. Oh, oui, misunderstanding, sûrement. I want to thank you from the bottom of my heart. Now, I'll pretend to appreciate that. Mr. McIntosh, it has been a real pleasure. The mostly good citizens of Rhodes, we welcome you. Well, we're just honored to be here. Make your friend behave.
We got enough trouble from some of the residents, old-timers who've gone sadly to seed and lost their dignity. How terrible. Come along now. I will keep this fellow on the straight and narrow. Come back and see us sometime soon. Excuse me, gentlemen. Beau, these better be ugly rumors. Is it true you were seen talking to that wretched Penelope Braithwaite? I can't thank you enough. Where have you been? Around. And where are you staying? I'm renting a caravan on the edge of town behind the church. It's horrible, but no one comes looking. The whole town is trapped in this interminable feud between the two families. His lot, Gray's, and Braithwaite's. Interesting. Two old plantation houses falling out. Il y en a qu'on n'a pas vu encore. Les Braithwaite, on les a vus, je crois. Ah, la banque est classe. Ça me donne envie d'aller dedans. I have missed you, boys. I've heard about bounty. There's been a price on my head for 13. Je vois qu'il y a 5 personnes qui regardent le live. Il me semble qu'on avait un bon de 20 euros à faire gagner sur Steam. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi sur le chat. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas un autre streamer qui l'ait fait gagner, mais je peux tester. In bars in the north and west for 500 miles. There was talk of super agents or something. Super agents. I'd love to meet one. It's just talk. I'm sure it is, but I couldn't not tell you. Stay out of trouble. Thank you, gentlemen. On va essayer. Ce que je vais faire, je vais chercher mon téléphone au cas où, et puis s'il y a des gens qui sont intéressés par ce bon de réduction, enfin ces 20 euros de bon d'achat, bah je vous les filerai. Je reviens dans 10 secondes. Yeah, I passed by it earlier with our friend. Je vais mettre une petite musique d'attente. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Aïcha, Aïcha, je voulais m'amène. Est-ce que ça t'intéresse 20 balles sur Steam offert tous cousins? Ou est-ce que tu n'as plus le temps de jouer? Faut que je check dans ce cas-là. C'était sur WhatsApp. Attends, calme-toi, ne t'énerve pas. Je voulais m'amène. Clac, clac, clac. Où est-ce qu'il était? C'est ça, une carte Steam de 20 balles. Nope, j'ai pas le temps de jouer, mais fais gagner un autre. Bah écoute, quand un autre se manifestera, c'est rare quand même de supplier les gens pour leur donner de l'argent. Enfin bref, mais c'est, en plus Cara, il me demande, c'est le responsable du stream, alors tu les as fait gagner les 20 balles? Non, je demande aux gens, mais... Accepter de pêcher, ouais, bah vas-y. Complet, mec. Hosea. Why don't you lead us to that spot you were talking about? I kinda like this place. On peut pas aller plus vite. Let's see if we can avoid any more excitement. Putain, j'ai même plus d'IST, c'est horrible. Oula. Mais normalement, mon compte n'est plus dans le rouge, donc je vais pouvoir en racheter et ça va être trop bien. Méon ? Ah oui, il veut pas venir Méon parce que c'est scripté qu'il faut que j'aille jusqu'à lui, d'accord. Qu'est-ce que c'est ici ? Attends. Juste faire une ou deux courses. Alors attends, je vais éviter de bousculer les gens. Oh pardon, pardon, pardon ! Pardon ! J'ai pas fait exprès du tout ! You came back, je suis jamais venu. Attends. Ouais, ouais, vous m'achetez, mais... Ah, du maïs. Wesh. Peu de bouffe. Ah, Méon, il aime bien les pommes. Et il n'y a plus de pommes? Bah si, attends. Pourquoi? Ah, je porte déjà le maximum. Ah bah, c'est bon, alors. Des aromates, on nous avait demandé. Pommade pour cheveux. Fortifiant pour barbe et cheveux. Eh non, mais on n'est pas assez blindé pour acheter des trucs comme ça. Hein. Ananas en conserve. Ouais, ouais. Il n'y a pas des trucs. Ah, du café, du café, du café, du café.
le café, on ne veut jamais en manquer. On ne peut pas aller plus vite, Da était tombé sur un jeu contemplatif par excellence. Mais non, je voulais aller moins vite. Et bonjour au passage, je voulais pas bousculer les gens justement. Parce que Dutch il nous a demandé, t'embrouille pas. J'essaye, c'est pas facile. Bon, je demande, je me renseigne. Enfin, tabac chiquier. Ne t'énerve pas toi. Bon, filons à bouffer à Méon et on y va. Et voilà pourquoi on va vite aussi. Méon. T'es pas sale. Ah, il est un peu sale, hein. Oh! Ah non, c'est parce que j'ai mis du gibier sur lui. C'est ça, le sang. Est-ce que le sang s'enlève si je le brosse? Le sang s'enlève si je le brosse. C'est cool. C'est... Ah, tout, super. Épique, la réaction d'excuse. Bah ouais, n'hésitez pas à clipper quand il y a des trucs... Bon, les gens me regardent surtout pour se foutre de moi, généralement, plutôt que pour apprendre des choses sur leur jeu. À part sur Hearthstone, éventuellement. D'ailleurs, ça fait une éternité que j'ai pas stream de Hearthstone. Je vous avoue que j'ai pas trop envie d'y jouer quand j'ai ça. Bon, rien à voir. Est-ce qu'on peut fumer une clope en chevauchant? I don't see any reason why not. De qualité. Je la joue roleplay. Hein. Bah, la dernière fois que j'ai essayé de pêcher, les gars, à notre camp, ça s'est mal passé, quoi. Ah non, mais moi je le vis toujours le jeu, hein, mec. Tiens, Ave Monkey, est-ce que 20€ de bon d'achat sur Steam t'intéresse? J'ai 20€ à faire gagner. Et les gens à qui je l'ai proposé m'ont dit oh non, c'est bon. Enfin, je crois hein, qu'ils sont toujours à faire gagner. Faudra que tu vérifies. Mais normalement, ouais. Normalement, personne d'autre les a fait gagner. Je l'ai pas fait peur, Astros. It is safe to say Mr. Cornwall isn't a man to let bygones be bygones. Ambushed us in the saloon. He came with a lot of guards and what seemed like just about every lawman in the county. On peut se mettre en vue cinématique tout le temps en fait, mais j'ai l'impression de pas jouer au jeu du coup. The Pinkertons couldn't have been far behind. They found me when I was fishing with Jack, remember? Listen, it was good we moved when we did. But that mess is behind us now. Yes. Jack told me you. Ah, ils vont jamais être gagnés. C'est courrier 6 au passage. Malheureusement, je suis pas sur Steam. Ah bah pour une fois, j'aurais pu te rendre un peu de tout ce que tu as fait comme don à la chaîne. Very funny. So what Trelawney said about those bounty hunters? What you think? Et n'hésite pas à follow la chaîne avec Monkey si vu que tu as un compte Twitch. Seems a little bigger now, Dutch. Super agents. It's just Trelawney over egging the pudding like the showman he is. This is the spot. Ah, c'est quand même plus beau quand on joue. Hein. Alors calme-toi, Méon, les descentes, t'aimes pas trop ça. Eh, m'emmerde pas. T'as sous prétexte parce que c'est le chef, le mec, il se joue de ouf. Donc ici ça mord, il y a intérêt parce que... Ok, ça me va. Putain, le ciel est tellement beau dans le jeu, tout est trop beau quoi. Ah! Bah attends, on va s'approcher avec Méon, hein. Ah non, Méon, tu ne veux plus aller plus vite? Le jour où j'ai la fibre, j'achète le jeu direct. Et même si t'as pas la fibre, mec, tu prendras une semaine à le télécharger, mais peu importe, quoi. All right. This looks like a fine vessel. Okay. Come on, Arthur. Let's get her in the water. Huh? Oh, oh. I got a good feeling about fishing here. Le jeu vaut le coup de le télécharger pendant une semaine.
Mais t'as quoi comme connexion? S'il y avait plus de spectateurs, il serait déjà parti. Bah, tout à l'heure, j'ai regardé 5 spectateurs. Sur 5 spectateurs, c'est rare que personne ne veuille d'argent, quoi. Ah, c'est à moi de vous amener en plus. Quand je déale un truc, on va dire que la vitesse va être à 2 mégasecondes, sauf qu'à côté, bah, je peux plus consulter mes mails. Mais tu sais que tu peux faire une pause dans les téléchargements, tu sais, tu le mets en télécharger la nuit, quand tu dors, ou quand tu sais, quand t'es en boulot. Complet, hein, c'est ce qu'il faut faire, mec. Même moi, c'est ce que j'ai fait, alors que j'ai la fibre. J'essaye de faire tab. Et moi, je suis venu quand vous m'avez dit de venir, les gars. Virgin. What's wrong with a good old worm? Oh, worms are good for tiddlers like bluegill and rock bass, but c'est vraiment le jeu vidéo ultime. La flemme. Oh, mais mec, c'est que t'as pas vraiment envie d'y jouer là. You heard the expert, Arthur. Let's bait up. Keep the lure moving slowly on the water so it looks like a little fish just asking to be eaten. Are you trying to make your lure look like a dead fish? They won't be interested if it ain't moving. Okay, that was a bite. Got him? Arthur's got a bite. You hooked him? Hop là. Calme-toi. Ah mais là, ça mord. Quand c'est scripté, ça mord. Ok. Tu vas finir par y arriver, mon copain. Hein. Allez, viens là. Je sais pas si j'ai d'autres lignes. Allez, mon pote. C'est quoi, un saumon? Une truite. Told me he once saw a monster lake sturgeon near the mouth of the river, just southwest of Saint Denis. 50. Surtout les asticots. Bah là, on l'a chopé sans asticots. J'imagine que si c'était pas scripté, on n'aurait pas pu. Poisson assez gros et savoureux, ouais. Partant de pluie. J'imagine que c'est vrai vu le jeu. Une truite arc-en-ciel légendaire, ça doit être les succès du jeu. Il nous reste des poissons, hein. I would like to see that. Hey, Hosea. Remember that time we sent Arthur out fishing? He came back with 3 beautiful bass. Not this again. I don't think I do. Oh yeah. You do. He was maybe 20. 21. Devoir utiliser tous ses doigts comme ça. We had a big feast. Toasted him all night. This was 15 years ago. Oh, I remember now. Then, the next week, Arthur and I are at the market, and Fishmonger calls out, so how did you ah non, je l'ai pas ferré. Quel connard. You can fish, or you can go drinking all day, rob someone, and buy some fish. C'est plus ça qui fait Arthur, normalement, ouais. I used to go fishing with this feller back in the day. Wesley, his name was.
real miserable bastard, but he loved to fish. We'd go out all the time. But one day, we were river fishing. Je vais faire quelques courses. Bah, à plus tard, courrier 6. Et merci d'être passé. Out of the blue, Wesley stands up, takes off his hat, bows his head. Then he sits down, picks his rod back up, and carries on. Doesn't say a word. So I'm a little surprised and say, Wesley, that was nice of you. And he replies, well, felt I had to. After all, I was married to her for 30 years. Oh, there he is. Oh, dear God. I might swim to shore. Nice, you hooked him. Ha, got ya. Remember those big salmon I caught in Montana last year? We had a banquet planned that night until Copper went and scoffed a lot. You never had control of that dog. He had some spirit, though. Never lost the puppy in him, right to the end. You know, I remember us saying how Blackwater was the furthest east we'd ever been. As a group, I mean. Feels like the more we try to head west, the further east we end up. We had all those safe spots picked out to lie low in New Austin after the ferry. Nous, on n'a rien à leur raconter, par contre. Still open and wild, the way it should be. Somehow the desert makes you feel closer to the sky. No point us trying to get back that way anytime soon. Pinkertons have patrols out all over tall trees and great plains. We saw when we went back for Sean. Well, look at us now, huh? It could be worse. Tout ça c'est optionnel, on aurait pu refuser de pêcher. Hein. Tu streams jusqu'à quelle heure? Je sais pas. Faut juste que je passe à la banque et que j'aille faire 2-3 trucs après. Mais là je suis pas pressé. Tant qu'il me reste du café et du tabac. Ça aussi faut que j'en rachète. Last I knew, she was still outside Philadelphia. I left home at 15 and didn't see her again. She and I didn't always see eye to eye. I wasn't always a very obedient child. Non, sérieux. I can only imagine. Still, I loved her in my own way. And she me in hers. Somehow, even from the grave, she managed to have the last laugh. That's on the hook, Arthur. Ouais, j'ai vu. Pas trop pressé, pas trop pressé. Un petit peu quand même. Ah. Calmo. Stia calmo, bambino. Ah, du coup, tu bosses pas toi non plus aujourd'hui. Ah. Amigotose. Ah, c'est vrai que t'as presque le même blast que le mec de Gamecube du coup. Nope, je reprends lundi. Ah cool. Ça fait un bon week-end quoi. Ça c'est important, surtout d'avoir des jours consécutifs quoi. Parce que des fois, tu sais, ouais, t'as les demi-journées de repos réglementaires, mais t'as pas de vraie coupure. Ça, c'est le plus chiant, quoi. Bien sûr. Là, c'est quoi? C'est pas une truite. Ah, une perche, ouais. Nickel. Bah oui, non, je vais... Ah oui, c'est vrai, parce que oui. Des fois, j'oublie de les apporter, oui, c'est vrai. Putain, j'ai la dalle. Ces poissons me donnent faim. Ça, tu veux, ça te donne faim les poissons aussi? Ah ouais, Fred. J'espère qu'on m'entend pas trop. Ah merci parce que là je l'avais pas vu. Hey, mais comment je mange? C'est mal foutu votre système. Mais j'ai tellement la dalle. Je pense que c'est ça qui va faire que je vais arrêter de stream à un moment. Ah, vous avez plus rien à raconter, les gars?
Ok, le truc c'est de profiter de ces moments-là. Pour manger. Parce que sinon je dois rester appuyé sur ma souris et mon clavier, donc les deux mains. Bon allez copains. Les poissons, au bout d'un moment, on va arrêter de déconner. Oh, t'es relou. Mais d'où il te reste autant d'énergie? Vous êtes dans un lac de Red Bull ou quoi? Allez, c'est fini mon pote. Well done. C'est vrai qu'on pourrait avoir un seau avec de l'eau pour qu'il reste frais plus longtemps. 1,9 kg, bah bien sûr qu'on va le garder. Bon, est-ce qu'on a fini de pêcher, les gars? Est-ce que si je range ma canne? Allez. Mais vous avez attrapé les trucs au moins, vous? Pearson will be happy. Should we head back? We could keep the boat not too far back to camp from here. Good idea. Could be useful. What about the horses? Well, they'll find their way back. Just follow the shore south, Arthur. That was fun. Thank you, boys. Now, Hosea. Yes. How about a song? Okay. All right, I got one for you. Ah, j'avoue, il y a pas d'autoradio donc. C'est une chanson. On lui a pas précisé une bonne chanson, hein. Je préfère les chansons dans Sea of Thieves. Ah, je vois beaucoup de streamers y jouer. C'est l'ultime jeu de Rare en fait, hein. Ce studio légendaire qui a connu que des échecs depuis qu'ils ont quitté Nintendo, à part Sea of Thieves. Et encore. Non, il y a dans Black Flag, j'aime pas trop l'Assassin's Creed, mais Black Flag est particulier. Où ils ont des bonnes chansons. Vous savez que si on était plus que un à ramer, c'est vrai que c'est pas prévu pour plusieurs rames visiblement. Moi, si je dois supporter vos chansons, faut que je boive, les gars. J'aurais dû boire avant. Ground, 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 ground. Bravo. Well, you know, we should not let the folks back at camp think that we have too much fun. Là, je suis sur mon tabac perso et il a un goût bizarre. Hein. Et bon, quand t'as plus de clopes, tu fais avec ce que tu as. Ah oui, je me suis peut-être un peu trop approché de la berge en fait là. C'était pas là. Ah oui, mais on va rentrer jusqu'au camp là comme ça. Ah, je suis sûr qu'il fallait rentrer vite en barque et que du coup je vais pas voir la médaille d'or. T'as l'air con un peu Arthur, mais c'est réaliste. Bon, c'est jusqu'où là? Ouais, on va bien jusqu'à notre camp. Ah bah comme ça, on a gagné une barque, j'avoue. Mais non, ta gueule, les touches permanentes.
D'accord, faut qu'il y ait son rythme. Ok, ça va plus vite comme ça. C'est, je comprends mieux. Bah, par contre, ça pompe de l'énergie. Hein. Bah, ça, on a chopé plein de poissons. Je vais en gagner de l'énergie. Mais on aurait dû emmener le gosse. On veut lui apprendre à pêcher, donc... Yo, les gars. Here we go again. Je viens de lancer un chronomètre. T'inquiète, le jeu l'a fait pour toi. Hein. Il l'a fait pour nous, du coup. But I mean, we are gonna be okay. I know. Ouais, j'en doute. I always know. Et là, c'est parce que je me monitore mon son que je sais que j'étais trop loin. You two by my side. Things are gonna be just fine. Il faudrait qu'on se mette un petit coup sur la gueule, d'ailleurs. Ah, by the way, j'ai les favoris, hein. Je suis en mode Arthur Morgan. For now, anyway. Bon, j'ai pas de cheveux, mais... Ah non, là d'ailleurs, oui, il faut qu'on se re-rase là. Ouais, ça fait longtemps que je me suis pas rasé dans le jeu. Ouais, moi aussi, oui, d'ailleurs, tiens. En fait, il nous le rappelle un peu plus ou moins. On a eu que bronze, alors du coup, tu vas voir là le chronomètre. Attraper Anders Anderson ? En moins de 5 minutes. Mais c'était une autre mission, ça, non? Ah non, c'est vrai que c'était dans la même mission, putain de... Tout ça, c'était la même mission. Le train, la rencontre avec les flics, le retour en ville... Et la pêche, tout ça, c'était une seule mission, d'accord, ok. Impressionnant. Ouais, ok. Bon, il y a quelques dialogues qui commencent à se répéter, mais c'est parce que je suis du genre à rester pendant 30 minutes dans le camp à écouter tout ce que les gens ont à dire, quoi. Allez, on va voir le cuistot. Ah bah, c'est ce que Osea a fait aussi, ouais. Qu'est-ce qui leur arrive ? You come near me, sailor, and I'll slice you up. You put that knife down, or you could be missing a hand. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables for a living. Oh, I'm sorry, madam. Was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, I ain't cooking work. The bastards have spotted me at the bar and taken the bullets out of me gun. So I stood there laughing and crying, and rather than kill me, my husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Il faut l'emmener en mission, la meuf. Elle a l'air d'avoir beaucoup d'énergie. Come with me then. You want to head out there? J'ai une petite baisse de framerate, visiblement. So be it. We do more than just hunting. We're hunted. And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Ah, j'ai vu ça. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Adler. No. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me? Maybe. While you're there? Sure. Come on, princess. Attends, je t'ai pas donné mon poisson. Are you coming with me then, woman? Mais attends, mais mon poisson va pourrir, putain de... Non! Non! Le poisson, j'aurais dû le donner avant! Putain. Attends, est-ce que je peux descendre? Alors, attends. Je donne d'abord mon poisson, j'ai dit. Faites chier! Je vais pour donner mon poisson et puis il me lance une cinématique. Alors moi je la regarde. Je savais pas que... Le custo a un air de famille avec Trevor. Tu penses? J'ai l'impression qu'il fait moins son taf le compresseur quand il n'y a pas d'égalisation. Ah putain, il est fermé. Non. Mon poisson. Je veux le donner. Je veux donner mon poisson. C'était connard. Il y a bouffé. Est-ce que vous avez fait à bouffer au moins? Du courrier. Hello?
de Lenny à Lenny de son père. Cher Léonard, ah, il s'appelle Léonard. Oui, c'est un diminutif du coup. Cela ne fait que 3 jours que je vous ai vu, toi et ta mère, debout sur le quai, jusqu'à ce que mon train s'éloigne. Putain, j'arrive pas à lire. Et déjà, je ressens le besoin de t'écrire. Comme tu étais beau, tu dois apprendre la chasteté, même si tu es encore jeune, et bien t'y tenir. Il y a certaines vérités qu'un homme ayant mon éducation a du mal à expliquer, même à son fils. Voilà pourquoi je préfère les mettre par écrit. J'imagine que ce n'est pas facile à comprendre pour un jeune garçon. D'une certaine manière, j'espère que tu ne comprends pas. Voilà une de ces vérités. Je sais que j'ai été plus souvent un tuteur qu'un père pour toi, mais ne laisse pas mes sermons sur ton avenir d'avocat te convaincre que je te considère plus comme mon élève que mon fils. Quand nous nous verrons dimanche prochain, je serai sans doute aussi dur qu'à mon habitude, mais cette courte distance entre nous me permet de te dire que tu as racheté plus que tu ne le sauras jamais. Que tu as racheté quoi? Ou que tu ne devrais avoir à le supporter. J'espère qu'il n'y aura plus de neige dans la cour à mon retour. Je vois bien que ça t'ennuie. Bah, s'il y a de la neige, il est loin. Mais tu dois apprendre à t'accommoder de toutes les tâches utiles, même les plus basses. Comme toujours, lis cette lettre à ta mère et si j'ai écrit ce n'est pas, ne dis pas c'est pas. À toi pour toujours, ton père qui t'aime. Mais de quoi son père? Mais il le voit quand? Il y a 3 jours, je comprends rien. Bon, bah pourquoi pas. Ok. Il a bouffé. Ah, pour une fois. Et donc le connard, on peut pas lui donner. Genre il boude parce que ça me fait... D'accord, il boit des coups. Il est en train de cuire. Putain, fais chier. Tu sais que t'es un connard, toi? Mon poisson, il va pourrir parce que... Ah! J'ai raté la mission. Je vais la recommencer en entier, comme ça je vais pouvoir donner mon... Je vais pouvoir donner mon poisson. Faut le faire vite, avant que la cinématique... Merde! Bon, bah on peut pas donner notre poisson, c'est foutu. Ah si, il m'a fait un itinéraire quand même. Donc on va dans Road. Qu'est-ce qu'on va branler dans Road? Faire les commissions pour le custo. Ça aurait été plus simple que je lui donne direct du poisson. Hein. Oh, Robin and Killin's okay, but letter reading's where we draw the line. Alors faut faire attention avec les carrioles, ça se renverse facilement, ça peut se casser. Calme-toi. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look, we're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that. Now that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells him to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. Here, give me that back. Oh, oui, c'était vraiment ça. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... Mais non! You insane? I thought we was outlaws. Outlaws, not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you buy some food to eat. And no guns. You sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting.
Hello. C'est loin. Ça a pas l'air loin. Vous avez l'air louche, vous. Je ne vous fais pas trop confiance. Petit ralentissement. Can I help you, mister? Yes, I would like to post a letter. All right. Rédigé par monsieur. Ah ouais, c'est ce qu'elle nous lisait justement. Ok. Ok, no trouble. Thank you. Bye now. How do you do? Quoi, no trouble là? Je viens poster une lettre. Ah, je vais fumer une clope avec vous. Peut-être vous faire un truc d'ailleurs aussi. Tiens, on va boire un coup. Voilà, ça nous fait de la place. Et maintenant, on va fumer une cigarette de qualité. Bah alors ? Il l'a consommé mais on n'a pas vu l'animation. On pourrait voler tous ces trucs là mais bon. Est-ce qu'il y a des marchands louches à qui on peut vendre les trucs de contrebande là ? I think this is everything. Thanks. Here. Take that for yourself, okay? Thanks. Mais c'est changé. We'll give it back then. Jesus. Ah, elle a acheté des fringues peut-être. Ah ouais, vu qu'on peut acheter des fringues dans ces boutiques. Okay. Get on. I'm about done here. I can do this, Arthur. You get on. Why don't you drive? Okay. Cool. Sadie. I know. So, you get everything? I think so. Tout est trop beau. Enfin, les feuilles des arbres sont pas ultra belles, mais. Don't start. Et encore. Chaque feuille est vraiment individuelle, quoi. My husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well, my house and everything I own got burned to the ground. I know. I'm real sorry about what you... Je vais chercher mon bocal de tabac, du coup. Maybe I'll keep my eye out for another one. I don't want no pity. Ah, mais je vais rater le scénario, just ben, non. Treat me equal and know nobody's taking nothing from me ever again. Mm-hmm. Just don't kill the camp cook, please. Hey there. Hey. What you folks up to? Just heading home. You're in Lamorne Raider country. Keep it cool. You need to pay a toll to pass through here. Ils essaient de nous dépouiller là, les gars. You don't think so? How about you pull over right now? Pull over? That's what I said. Hey, how's about this? Go, go, go! Shit! Let's get the hell out of here. Go! Get back here. Ah, mais c'est elle qui conduit là. Bah
Bah moi j'ai essayé hein les gars de... Non 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 mais lui il a rien fait. Mais voilà je vous ai dit c'est eux qui font toujours de la merde. Allez mec. Merde. Attends, mais ils sont tous les côtés ou... Très mauvaise couverture du coup. Allez, mets-toi à couvert, connard. Rechargeons. Allez, crève, connard. Ah. Fais gaffe, ça dit, t'en as un là. Ouais, vas-y, on va pas tuer les mecs qui s'enfuient. Alors, attends, je vais quand même vous récolter, si je peux. Est-ce qu'on a les autorités? En même temps, c'est un gang, les gars, ils nous ont attaqués, on s'est défendu, nous, hein. Non, c'est elle qui a tiré la première. Mais c'est pas obligé de figurer dans le rapport de police? Bon, en tout cas, on est bien masqué. Je sais pas si ça servira. Oh, montre en or. C'est quoi à côté de toi? Je ne sais pas. Alors, non. Ce que je veux, c'est toi. Pas ta carabine à répétition de merde. Ah, c'est déjà le soir, hein. Alors attends, ça dit, j'ai presque fini. Il y a juste un ou deux connards. Mais non, je veux pas le prendre, le gars, je veux... On n'est pas dans les chiottes de la loco. Oh non, 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 non. Bon. Bah lui, on ne peut pas le récolter. Il y en avait un autre connard là-bas, je crois. Voilà. Bon, bah en tout cas, on aura récolté un petit peu. 88$, on n'est pas riche. Hein. Bon, allez, partons d'ici. No, pass those reins here. Why? Because you've caused enough trouble already. I'm fine. Here. We showed those bastards, huh? Remind me not to get on your bad side. And they was clearly planning to bushwhack us. You did good. Bon, nous, on n'a rien à voir avec ça. But that's a lot of mess to make near camp. Hope it don't bring anyone sniffing around. Are you gonna tell Dutch? Maybe. If he asks. But maybe not. Careful! So who did they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Est-ce que notre poisson a pourri? I have traveled widely, making no small name for myself. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want to peek in that journal of yours. Ah, notre carnet, bah ouais. Surtout qu'on écrit vraiment des trucs dedans, hein, sur le coup. You didn't get yourself killed then, Miss Adler. Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I
I enjoyed myself out there. Yes, we, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, at shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it. I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I bon, lack il a peut-être pas de goût, mais il est gratuit, ce tabac. C'est I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. And nice pants, by the way. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Dites-moi. J'ai pas fait 5 tirs en pleine tête, sérieux? J'ai pas utilisé d'objets de soin. Ah si, avant de partir. Ah ouais, mais dans ce cas-là, on n'a jamais le droit de manger dans le jeu, quoi. Ah, alors attends. N'oublions pas. Personne, j'ai du poisson presque frais pour toi. Attends. Je peux te le donner, là, d'ici? Ah, je peux prendre une... Attends, on se bourrera la gueule après. Yo, Zer. Putain, mais il est toujours fermé, ce truc. J'aimerais donner mon poisson. Go have a look around. See what you can find out. Calmly, I mean. Tu peux me parler d'un peu plus loin? We both think there's money to be made. I hope so. I'll see what I can find out. Bon, bah du coup, je ne peux pas donner mon poisson parce que le mec ne veut jamais bosser. Alors, on mange un coup, après on se bourre la gueule, après on dort, après on se rase, après on essaie de donner le poisson. Ouais, un coup tu crois en Dieu et un coup tu crois en l'alcool, toi, de toute façon. Hein. On a plus d'énergie, Bon, c'était ici l'alcool? Petit pain. Qu'est-ce qui vous arrive? Come on now, Pearson. You all know that. C'est ici l'alcool, d'accord. Lui, en fait, lui là-bas, c'est un ennemi. Bah attends, c'est ici. Hein. Ah. Est-ce qu'on le voit en vue intérieure? Ah ouais, on voit bien la main qui... Ah, c'est cool. On peut pas boire en même temps. C'est nul. Moi, je voulais boire assis. Ah, on avait peut-être fini notre bière. Ok. Est-ce que je peux piquer ton stuff? T'as rien, toi. D'accord, donc il y a des bracos à faire. Ouais, mais si on veut pas... Ouais, enfin, c'est des bracos, on braque des braqueurs, quoi, d'après ce que j'ai compris. Allons donner un peu de thunes, à défaut de pouvoir donner nos poissons. Et on va dormir à côté des munitions. C'était une longue journée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dormi. Quoi, genre ils ont plus de bouffe? Putain, je fais que ça, leur donner de la bouffe. Hein. $300. Je garde ça. Hein. Tiens, prenez des ceintures. Là, je peux pas tout donner. Normalement, il y a une option pour tout donner quand on stack des trucs.
On leur donne ça, comme ça on se fait un peu de place. Voilà. Et le reste, on se le garde. Ah, on leur a donné l'équivalent de 26 balles, c'est pas mal. Le dodo, c'est de l'autre côté. Tiens, d'ailleurs, on peut peut-être recharger. C'est quand même l'avantage de dormir dans un truc de munitions. Ouais, après, les munitions sont basses, on va peut-être pas trop en prendre. Des flèches, là. Allô, je veux prendre les flèches. Ah. Ah, on a... Ok, bon bah c'est bien alors. Si on a déjà le maximum, moi ça me va. Là, il est content. Effectivement. Bon, on se rasera après dormir. Allez. C'était une longue journée. Une tellement longue journée que ça fait presque 2 heures qu'on stream. Ouais, par contre, on a vraiment besoin de se raser. Ok. Putain, on a bien toujours notre petite fleur. Enfin bref. Ah oui, là on ressemble vraiment à rien. On a plus de pommade pour cheveux. Ouais, j'en ai pas racheté parce que voilà. Du coup, la moustache. Ah oui, on est 4 sur 10, ah oui. Ça ne plaisante pas. On pourrait faire... Attendez, je vais essayer comme ça déjà. Avec le reste, où il en reste un peu, mais pas beaucoup. Parce que, ouais. Ah, les favoris font moche quand même. Hein. Allez, quand même, jouons le jeu de les laisser pousser à fond. Et du coup, si j'enlève complètement le reste... Allez, on va faire comme ça. On va complètement enlever le reste. Bon, on ressemble à rien, mais c'est pas grave. Ton café aussi est là depuis 2 heures? Ouais, carrément, ouais. D'ailleurs, je vais me faire un thé. Je vais me faire un thé. Je vais devoir me faire une pause pour me rouler une clope, me faire un thé. Je vais faire ça d'ici 10 minutes. Effectivement, parce que là, mon café est froid. Mais c'est quelque chose que m'a transmis mon papa, paix à son âme, qui lui aussi commençait des cafés qui finissaient 2 heures plus tard. Et je lui disais, papa, ton café, il est froid. Et bah, il le buvait quand même. Il dit, non, mais ça me va. Bon. Ah, du coup, on n'a pas exactement les mêmes favoris, parce que moi, je les ai arrêtés là. Est-ce que je vais faire les courses avec cette beubard? Je sais pas. Hein. Alors, le café, et après, on y va. Café, café, café. Attends, le café, c'est généralement à côté du feu. On est à la vitesse maximale! Waouh, c'est quoi cette bouteille qui lévite? Truc de ouf! C'est une bouteille de bourbon. Putain, les gars, on a trouvé une bouteille de bourbon magique. Ah, on l'a traversée, ça l'a cassée. Bah, vous aviez qu'à pas les laisser traîner dans l'air aussi, hein, les gars. C'est n'importe quoi, ce jeu. Attends, on avait trouvé du feu quelque part. T'as lu les airs. Encore en train de chanter des chansons à boire, quoi. C'est quoi ce foutage de gueule? Il n'y a pas de café? Putain, il est encore fermé, le mec... J'aimerais leur donner mes poissons, quoi. J'y arriverai jamais. Ah, là, il y a du café, au moins. Allô? Café? Ils ont tous un café, moi, non? Ça ne va pas aller du tout, hein. Ah! Ah!
Morning, Arthur. Moderate diet. Salut. Here we are, another day older. And definitely not wiser. Ok. Plus jamais je ne boirai. Could use a slug of whiskey in this. Maybe after lunch, hey? Alors, il y avait un point d'interrogation. On va d'abord checker ça. Qui me parle? C'est qui? C'est qui veut me parler? Et on va voir, Arthur, ne t'énerve pas. You okay, Arthur? You wanna talk? Allez. Je sais pas, tout le monde veut faire ma psychanalyse, hein. Yes. What's been going on with you? I don't know. What? C'est de la vodka, évidemment, comme d'habitude. Mm-hmm. How so? Ah non, on est sur la Delta. Donc l'abus d'alcool nuit gravement à la santé, c'est évidemment de l'eau. Hein. No good reason. Hurting people just for the sake. Yeah, that's bad, Arthur. Mais j'essaie de le faire au minimum, ça. Je le fais jamais pour le plaisir, Arthur, c'est pas vrai. Des fois, peut-être je renverse des gens à cheval sans faire exprès. Maybe Mike can put a spell on me. And maybe you're just being a fool. No, there's always that. Okay. Well, don't mind me, Tilly. Whoa there! Allez, on va couper un peu de bois. C'est pas trop chiant, ça. Like one big party. How wrong I was. It's not all so bad. En tout cas, les gens ont l'air de s'adapter très bien au nouveau camp. I wonder if I'll ever not smell of campfire again. I think it's in our skin now. On peut pas zoomer à fond. On peut pas le voir de près, ça. Dommage. Je l'aurais bien vu en à la première personne. Attention. Morning, Arthur. Ouais, te mets pas une écharpe dans l'œil. Ce jeu est beaucoup trop bien, malgré ses défauts. Hein. Ils sont surtout dans la lourdeur de son gameplay. Alors ce qu'on disait tout à l'heure sur le chat, le gameplay contemplatif, bah c'était pas Courrier, c'est ce qui disait ça? Je sais plus. Il y a encore de bois? Non? Allez. Donc on disait des bracos. Pas bouffer dans votre merde là. Et toi, tu bosses quand, mec? Parce que j'aimerais tellement te donner à bouffer. Tough as a dead cow, surrounded by icebergs. Tu veux pas arrêter de délirer et bosser? And then the boat comes down with the plague, and men are dying like it's a race. The parson, he can't keep up with the funerals. We're burying them two, three at a time, and there's. Ah, c'est un ancien marin, ouais. Il me semble. The boat just a feast on the corpses. This is a picnic. Tough. That ain't tough. See, sharks. That's a holiday. Tough is arriving in a new city. Both your parents newly dead. No one. Mais tout le monde s'embrouille en fait. Some scumbags you meet on the street. Folks starving, people desperate. Est-ce que tu nettoies ton tablier des fois, mec? How old were you? Nine. I was 9 years old, I've been living on my wits. Hell. Je crois que je vais cuire les poissons, hein. I tell you, sharks are nothing compared to human beings.
Est-ce qu'on peut les cuire ici? Y a pas à s'asseoir près du feu, se reposer près du feu. Non, on peut rien faire. Ok. Tant pis pour vos gueules, les gars, et tant pis pour la mienne. Ah, y a le truc fishing vers là-bas. Ah, sûrement qu'on peut aller voir, c'est quoi? C'est Osea avec qui on peut aller pêcher? Bon, Braco. Oh ouais, Arthur, il en a marre. Hein. Hey, Arthur. Ah, c'est Sean maintenant. Yeah. So, tell me, is your people Jacobites or English lovers, Arthur? My people were peasants. We had no time for politics. My dad would say that no politics was politics. That old world bullshit, it ain't got no place here. Why? Because there ain't no judgment here. Bon, je ferai une petite pause après la cinématique, du coup. The Redskins, the Jews, even us Irish. You ain't so free of politics. I hate everyone just the same. Well, in that case, I hate everyone just the same. What I just found for us. What's that? I was riding around a couple of days back. I come across this old cabin. A couple of fuckers lazing about outside all liquored up. I didn't think nothing of it. But then I come across this hunter down by the river. He tells me they're a stick-up crew. Says they hit a train a couple of days back near Emerald Ranch. Ah, ça me dit quelque chose, Emerald Ranch. J'ai ramené une meuf perdue là-bas. And you believed him? No reason not to. If he's right. Puis là-bas, on peut faire des conneries. I saw three of them, maybe more, but I reckon you and me, we could take them real easy. All right. What the hell? Let's go check it out. Damn sons of bitches think they're mean. They're about to get a lesson in mean. You just keep your cool, you hear me? Yes. Du coup, on va faire une petite pause. Ah ouais, mais je peux pas mettre de musique copyrightée vu que là j'enregistre pour YouTube. Ou alors je fais une coupure ici vu que ça fait 2 heures. Bah écoutez YouTube, merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous regardez en stream, on se retrouve juste après. Et pour YouTube, on se retrouve à la prochaine vidéo, la prochaine partie. Ciao ciao. How far is this place? Loin. Wow!